Bonjour à tous, c'est Malox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui comment percer sur YouTube en 5 étapes. Alors, je suis peut-être pas le meilleur modèle, et voilà quoi, je vais vous faire cette petite vidéo en espérant que ça vous plaise. Mais juste avant, balance l'intro! Alors voilà, on va commencer par un premier conseil qui n'est pas des moindres. Si vous remontez sur ma chaîne YouTube avec mes premières vidéos, alors. Ah oui, ça va être un peu long parce que vraiment il y en a beaucoup. Mais genre, si vous remontez vers le début de mes vidéos, il y a toujours des hashtags. Hashtag short, hashtag. Il y a beaucoup d'hashtags. Pour une raison simple, c'est que quand vous faites des hashtags, ça donne envie aux gens de. Ça, par exemple, si je mets hashtag short, comme j'ai fait sur cette vidéo, et ben quand je mettrai hashtag short, ils ont une chance de tomber sur ma vidéo. Et ça fait plus de chance, quoi. Voilà. Vous voyez, même sur mes vidéos les plus populaires. Alors, pas la première ni la deuxième. Oula, il y a eu beaucoup de vidéos populaires quand même. Il y a ça. Alors là, il n'y a pas de hashtag parce que j'ai arrêté récemment et les vidéos qui percent le plus, c'est celles que je fais récemment. Mais voilà, si on remonte avant, celle-là par exemple, il y avait encore les hashtags. C'était des anciennes vidéos. Alors, pour le deuxième conseil, je vous conseille, ben voilà, de. Quand votre chaîne a à peu près 1000 abonnés, ben enlevez les hashtags, vraiment. C'est bien au début, mais après, il faut pas que ça soit trop dans l'abus. Moi, j'ai arrêté de mettre des hashtags parce que ben voilà quoi, il faut arrêter parce que après, il y aura trop de personnes qui s'écartent du sujet. Imaginons, je fais des vidéos dessin. Je fais que des vidéos dessin. Et ben si par exemple, je fais une vidéo dessin, puis je fais 50 vidéos Animal Crossing, et moi je préfère le dessin, bah, ma chaîne ça sera du Animal Crossing, vous imaginez. Alors voilà, je vous dis de faire ce que vous voulez faire pour pas que ça s'écarte du sujet. Par exemple, moi j'aime bien faire des petites edits et j'aime aussi faire des chansons gacha, maintenant c'est une nouvelle passion, et des vidéos. Et le dessin bien sûr, mais ça c'est les lives. Et justement, on passe au troisième conseil. Alors, comme troisième conseil, je vous conseille de sur vos lives, si vous faites des lives, je vous conseille de ne pas mettre des titres avec des hashtags, ni mettre un titre trop long. Par exemple, imaginons, je veux faire un live Brawl Stars. Je ne vais pas mettre on joue à Brawl Stars avec une énorme surprise à la fin de cette vidéo. Non, à la fin de ce live, parce que ça ne marche pas. Je vous conseille d'être concret, d'être vite, quoi. Sinon, ça ne marchera jamais. Alors, comme quatrième conseil, ben, je vous dis de mettre des objectifs. Par exemple, là, voilà, merci pour les 40 000 abonnés. Une bonne bannière. Essayez d'avoir une bonne bannière, même si ça, c'est difficile. Une bonne photo de profil pour que les gens cliquent. Et avoir un titre, par exemple, si ma chaîne YouTube, je l'appelle Michou, ben, ça va pas le faire. Comme il y en a déjà un Malox, il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Malox, mais maintenant, à la base, si vous allez. Sur Malox, je tape Malox. Alors, si je me trompe pas, bien sûr. Voilà, je suis premier. Oula, même s'il y a des trucs bizarres, je suis premier. Donc voilà, ça c'est un quatrième point. Et pour finir, pourrais vous donner un dernier conseil. Ça serait de ne pas être trop. Comment je pourrais appeler ça? Trop forceur. Par exemple, imaginons, je vais sur un live de quelqu'un. Et je dis, ouais, viens sur ma vidéo, nanana. Non, il faut pas faire ça. Vraiment. Parce qu'après, ça peut. Si vous forcez, c'est comme par exemple ta communauté, ça sera pas des gens qui ont cliqué sur tes vidéos. Donc voilà, c'est pas un conseil que je vous donne. Surtout, il faut vraiment faire ce qu'on veut, ce que vous aimez faire. Et un petit bonus, ayez toujours le même rythme, soyez heureux, content. Voilà, si vous faites une chaîne juste pour de l'argent, ça sert à rien, vraiment. Moi, ma chaîne YouTube, je l'ai fait même pas pour la rémunération, j'en ai même pas. Vous voyez? Donc vraiment, si vous faites YouTube, c'est vraiment pour vous amuser, pour kiffer. Moi, c'est pour amuser les gens, pour leur faire passer des bons moments. Et je vous remercie, vous les abonnés, d'être là pour moi. Merci. C'était Malox et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!